For like a dump on bus, she don't get drive rap bus, so she know they talk to us again. She know they come campus again. Them say she go do runs and the hippo don't thank us. And the guinea they cause fire us away. They just they talk jackals cause now she way they make my heart beat. And now she make my heart beat. Now she make my heart beat. Now she make my heart beat. Automatic, aromatic, aromatic, acrobatic, problematic. C'est tout nouveau. Salon de coiffure et grande boutique de vente de produits de beauté. City Air Beauty, spécialisé dans la vente de perruques, tissage et closure de grande qualité aux prix imbattables. Un salon de coiffure pour hommes et femmes. Au numéro 4 de la Grande Rue, 91 260, Juvisy-sur-Orge. À la sortie de la gare de Juvisy, prendre la sortie mairie ou marché. En face de la Banque Populaire, prendre la gauche et longer le chemin de fer jusqu'au niveau du pont. Votre salon de coiffure, City Air Beauty, est situé à droite, donc à 6 minutes de la gare. Pour la beauté de votre chevelure et pour soigner votre look, une seule adresse. City Air Beauty à Juvisy, c'est bien là et nulle part ailleurs. Avec facilité de paiement en 4 fois, du jamais vu. Ouverture du lundi à vendredi, de 10h à 19h30. Les samedis de 10h à 20h30. Votre réservation au 01 72 49 47 59 ou bien au 06 60 97 08 18. City Air Beauty à Juvisy. C'est votre nouveau salon de coiffure. Au top et bon gaga. Informatic, be like magic, diplomatic, cinematic. In Gollivation, you know, say you and I will live as one. So make you know do ask up. You boss my yuck color, I don't dey suck up. For like a dump on bus, she don't dey drive ramp bus. So she know dey talk to us again. She know dey come campus again. Them say she go do runs. And the hippo don't thank us. And the guinea they cause fire us away. They just they touch our ghost. Cause now she way they make my heart beat. And now she make my heart beat. And now she make my heart beat. Eleke langai zambo yo. Mérite qui t'aise à Saint-Golou. Balouka va combattre Yango. Nana Yoki Mongongo et Outina Lula. Saison en aïe. Saison en aïe. Saison en aïe. Libalae. Vraiment ma saison. C'est question d'accord à Tangote. En tout cas, Nako Simbango. Donc nous sommes ici chez Elite Shipping Fret. Nous faisons de l'aérien. Nous envoyons vos colis en temps et en heure. Pour toutes les personnes qui ont douté, Botine Naraba Koli Nabino et Komakate, je vous dis que ici c'est pas là-bas. Batata na ba mama, beno wanita la gaboma na kufilisa ba bima na boala, benke na ba famille na boala, benke zo la filisa ba koli, benke zo la filisa ba bima sam na construction ya ba inzo. Une seule adresse, un seul lieu que je vous conseille aujourd'hui. Plus besoin d'hésiter. Venez ici chez Elite Shipping Fret pour tous vos envois de vos colis. La seule devise de cette boîte, votre satisfaction est leur priorité. Saison
saison na yo e Salande ngoza elepe Saison e, saison na yo e Attention, s'il vous plaît, merci d'avoir manifesté votre joie, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de joie que le Seigneur nous a donné, parce que le mariage c'est une institution divine qui vient de notre Dieu. Le mariage ne vient pas d'un homme, ce n'est pas un homme qui s'est réveillé quelque part qui a dit que moi je dois créer le mariage, mais le mariage vient de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est moi, oui. Nous devons comprendre que dans tout ce que Dieu a créé, il y a certaines choses qu'on appelle le sacrement. Autrement dit, c'est sacré. Quand on parle du sacrement ou c'est sacré, ce sont les choses que l'homme ne peut pas faire. Quand on parle de la vie c'est sacré. L'homme ne peut pas créer la vie ou l'homme ne peut pas donner la vie. Quand on parle de choses comme... comment dirais-je, le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage, l'homme ne peut pas créer le mariage. La parole de Dieu nous dit ceci. Quand Dieu, notre Père, a créé les cieux et la terre, il a créé les eaux, il a créé les arbres, il a créé les animaux et tout ce qu'il en contient. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui a créé cela. Après, Dieu lui-même, il a trouvé bon de créer l'homme. Il dit ceci, créant l'homme à notre image, puisque l'homme est l'image de Dieu. Après avoir que Dieu créa l'homme, Dieu a regardé par rapport à tout ce qu'il avait créé. Il a bien vu que l'homme n'avait pas ou ne trouvait pas un être semblable à lui. Alors, la Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, si vous regardez bien, l'homme n'était pas seul. Il y avait des animaux, hein? Il y avait tout ce que Dieu avait créé et qui respirait. Mais il n'y avait pas de semblable à l'homme. Alors, Dieu a fini par dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que s'il n'y a pas de semblable, même si je suis entouré d'animaux, non. Quelque part, je ne serai pas équilibré. Voilà pourquoi Dieu a fini par dire, comme il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu lui-même a pris l'engagement ou la décision de lui créer un être qui est semblable à lui. Alléluia. Alors, quelque part plus loin, Dieu, après avoir dit cela, il a fait endormir l'homme et il a pris la côte de l'homme. Il a pris une côte de l'homme et avec cette côte-là, il a fait la femme. Alléluia. Quand il a fait la femme, il a amené chez l'homme. Et l'homme, cette fois-ci, quand il a vu la femme, l'homme a fini par comparer les animaux. Mais comme il ne voyait pas un être semblable à lui, l'homme a fini, après avoir vu la femme, il a fini par dire cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Alléluia. Et vous remarquerez ici, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas un bébé qui devait naître. Donc, autrement dit, Adam n'a pas eu de parents. Nous ne connaissons pas la mère d'Adam, nous ne connaissons pas le père d'Adam. Parce que Dieu lui-même faisait office de la mère et du père. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a créé l'homme, l'homme était déjà un homme adulte. Ok? Alors, quand il a créé aussi la femme par rapport à la côte que Dieu avait retirée de l'homme, la femme aussi était déjà adulte. Donc, autrement dit, ils étaient déjà ou ils avaient déjà l'âge de vivre ensemble. Voilà pourquoi sur ces points,
J'aime toujours dire, le mariage, ce n'est pas une affaire des enfants. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Alléluia. Donc, c'est une affaire des grandes personnes, parce que quand Dieu amène la femme envers l'homme, l'homme était déjà conscient, adulte, et la femme aussi était déjà consciente et adulte. Donc, Dieu les a mis ensemble parce qu'ils avaient déjà la compréhension. Mais nous ne pouvons pas marier des enfants parce que c'est déjà l'abomination et les enfants ne vont pas comprendre ce qu'ils vont faire. Mais ici, comme ils sont des grandes personnes, ils sont grandes personnes et Dieu a permis que vraiment nous puissions, nous, dans nos propres yeux, voir le sens du mariage. Donc, ça c'est le premier point. Genèse 12, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, il est question ici que l'homme puisse quitter, s'attacher et faire une seule chair. Parce que l'homme, s'il ne quitte et s'il ne s'attache, il ne peut pas faire une seule chair. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que moi, tel que je suis un homme, si je ne quitte pas mes parents, je ne pourrai pas m'attacher à ma femme. Je ne pourrai pas me marier. Parce que vous avez des tels hommes qui, ça fait, je crois, 30 ans, 40 ans, voire même plus. Ils sont toujours comme si c'était des bébés, toujours près de leur mère. Ici, la Bible ne nous dit pas qu'il faut abandonner nos familles, non. Ici, la Bible nous montre justement l'importance du mariage. Il faut quitter, s'attacher et faire une seule chair. Voilà pourquoi ici, nous devons comprendre une chose. Si moi je ne quitte pas ma famille, si moi je ne m'attache pas à ma femme, je ne peux pas faire avec lui une seule chair. Alléluia. C'est le cas que nous voyons dans les couples. Vous allez voir que la femme, dès qu'il y a un problème avec son mari, la femme doit toujours appeler sa famille. Ah maman, regarde ici, il m'a fait ceci. Maman, papa, mon mari m'a dit ceci. Non, il faut quitter. Alléluia. On n'a pas dit qu'il faut abandonner, mais il faut quitter juste. Quand tu quittes, tu pourras faire une seule chair avec elle. Mais si toi, tu es toujours là, mon frère, les problèmes qui se passent dans ton foyer, toute ta famille est au courant. Tu appelles tes petites sœurs, tu appelles tes petits frères, ta maman, elle est au courant. Non, mon bien-aimé, le Seigneur. J'ai dit que le mariage, c'est une affaire des grandes personnes. Si tu ne quittes pas, si tu ne t'attaches pas avec ta femme, il y aura un problème. Alléluia. Et nous avons aussi de tels couples. Ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas attachés. Chacun fait sa vie. La femme fait sa vie, le mari aussi fait sa vie. La femme a ses projets, le mari aussi a son projet. Non, mais bien-aimé, le Seigneur, si j'ai quitté mes parents et je dois m'attacher à ma femme, moi et ma femme, nous devons faire une personne. Ça veut dire que ses pensées, je dois parler comme ma femme. Je dois écouter ma femme, je dois écouter mon mari, je dois écouter les conseils de mon mari. Parce que ici nous voyons que nos bien-aimés sont devenus des rebelles. Alléluia. Amen. Les rebelles. Quand je dis des rebelles, c'est-à-dire qu'il ne faut leur rien dire. Moi, je fais ce que je veux. Alors, il y a même ces sortes de couples qu'il ne faut rien dire, qu'il ne faut même pas donner un conseil. Parce que si vous dites quelque chose, ça va chauffer. Amen, amen. Amen. Tu as été éduqué chez toi en tant que femme? Moi aussi, j'ai été éduqué chez moi en tant qu'homme. Il faudrait maintenant que ces deux éducations-là puissent conjuguer. Ces deux éducations-là puissent cohabiter. Alors, pour qu'il puisse y avoir de l'harmonie, de la compréhension, il faut un homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui, quand il est au centre, quoi qu'il arrive, même si des fois dans le couple, nous pouvons ne pas être d'accord sur certains points, mais Jésus-Christ vous fera comprendre ce qui doit toujours vous surpasser. C'est votre amour. Alléluia. C'est votre amour qui va toujours être au-dessus. Et c'est justement cet amour qui permettra que, malgré que vous allez subir le combat, les persécutions par le diable, c'est cet amour qui fera de sorte à ce que vous reveniez toujours au point, un point qui est un point commun, un point de compréhension. Alléluia. Mais si Jésus-Christ n'est pas là, vous voyez qu'aujourd'hui les gens se marient au mois de janvier, au mois de février, divorce. Les enfants ont des bandades. Les enfants qui deviennent des délinquants. Pourquoi? Parce que nous sommes mariés, mais nous n'avons point d'appui.
Nous n'avons personne où nous devons nous appuyer. Or, cette personne-là, c'est la présence de Jésus-Christ. Malgré le combat, malgré les persécutions, malgré que les ennemis, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde aime le mariage. Il y a aussi des fois, ils sont invités, ils sont là, mais ils sont là que pour vous combattre, pour se moquer de vous. Mais c'est lui qui est le maître des esprits, qui est Jésus-Christ. Si vous le mettez au centre, lui combattra pour vous et vous serez toujours vainqueur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons aussi vu de tels couples. Ils sont mariés, mais ils ont des problèmes de conception. La femme va commencer à avoir des problèmes de conception. Il lui sera toujours difficile de pouvoir tomber enceinte. Tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit à la femme, tous les deux à l'homme, allez et soyez féconds. C'est-à-dire que vous devez multiplier. Vous devez vous multiplier. Alléluia. Alors, mais le diable a connu tout cela. Qu'est-ce qu'il va faire une fois dans le mariage? La femme qui ne conçoit pas, le mari pressé qu'il est, au lieu de chercher la foi de Dieu, parce que les enfants que nous avons viennent de l'Éternel. Si le mari est pressé, il finira par dire, ah non, toi tu ne conçois pas, toi tu ne peux pas donner, mettre un enfant au monde, moi je divorce. Non, peuple de Dieu. Si ce genre de choses arrivent, c'est parce que Jésus-Christ est absent. Mais toi, étant enfant de Dieu, tout ce que tu peux subir dans ton couple, il faut chercher que Christ puisse intervenir. Amen, amen. Ce n'est pas obligatoire de venir à l'église, c'est juste une question de conscience. Qu'aujourd'hui, si Dieu ne met pas sa main sur vous, peut-être demain, vous pouvez aussi avoir la facilité de divorcer. Voilà pourquoi il faut que Dieu soit au centre, quoi qu'il vous arrive. Tout ce que vous pouvez prendre comme position ou comme décision, que le Saint-Esprit vous dise si Dieu va être content ou pas. Raison pour laquelle ils ont voulu que Dieu soit au centre de leur relation. Monsieur Wawaï, je t'appelle un peu, viens. Lève-toi, viens. Acclame-moi un peu le Seigneur. Amen, amen. Nous ne sommes pas en train de les marier parce qu'ils sont déjà mariés. Amen. Mais nous sommes en train de les bénir. Amen. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce monsieur, il est très courageux. Parce que vraiment, il m'étonne beaucoup. C'est un monsieur qui a une longue vision. La première fois que je l'avais vu, je ne sais pas par où il est passé, mais Dieu m'a fait comprendre que c'est un monsieur qui est courageux. S'il n'était pas persévérant, je pense qu'il ne serait même pas ici dans ce pays qui est la France. Mais c'est un monsieur qui ne lâche pas prise facilement. Quand il veut quelque chose, il va chercher cela. Alléluia. Alors ça, c'est une qualité aussi, étant qu'homme, que Dieu puisse te bénir. C'est grâce à toi que nous sommes ici. Tu nous as fait venir ici. Et nous sommes aussi heureux de te recevoir, de t'avoir parmi nous. Amen. Amen. Bon, nous voulons savoir qui est assise derrière toi là-bas. C'est ta soeur, c'est qui, nous ne connaissons pas, peut-être certains parmi nous ne connaissent pas. Tu peux nous dire qui est derrière là-bas, qui est assise là-bas. Parce qu'on a déjà vu des surprises. Hein? C'est qui est là-bas? C'est ta femme. C'est vrai? C'est comment elle s'appelle? Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Bon. Ils sont beaux, hein? Amen. 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 Vraiment, ils sont beaux. Si tu n'es pas encore marié, attends seulement. Amen. Amen. Ça vient de l'Éternel. Attends seulement, ton tour viendra parce que le panier circule encore. Amen. Oh, la main cachée, tu es mort, tu es mort pour moi, tu es mort. Oh, Jésus-Christ, tu es mort, Jésus-Christ, tu es mort. Jésus-Christ, tu es mort, tu es mort pour moi, tu es bon. Acclamons très très fort notre Dieu.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas remettre ceci à ta femme. Et en lui remettant cette alliance, parle fort. Dis-lui ce qui passe dans ton cœur. Ce que tu ne lui as jamais dit depuis que vous êtes ensemble. Calme, fais comme calme. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous vous entendiez. Henri Quétin. Oh là là. On a parcouru un long chemin ensemble. Elle a été là parmi les débuts. Tu as été là depuis le début. On a progressé ensemble. On a progressé ensemble. C'est la raison pour laquelle. Raison pour laquelle. Aujourd'hui. Je te remets cette alliance. Preuve d'amour. Preuve d'amour pour moi. Pour te dire que je serai toujours là à côté de toi. Et t'assurer que je serai capable d'en venir aux besoins de notre foyer. Que je serai capable de subvenir aux besoins de notre foyer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement chantant. Il est le même. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a béni. Il n'a pas changé. Oh. Il est le même éternellement. Chantons. Il est le même. Oh Yahweh. Il est le même. Oh hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais. Oh, avec toi, Jésus, je vais à jamais. Crier pour Jésus. Oh, dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais, oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Acclamons très, très, très fort. Ma sœur, ça va? Tout va bien? Ok, c'est ton jour de joie. Amen. Ok. Je te remets également cette alliance que tu vas remettre à ton cher chéri. Alors, tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce que tu pourrais avoir dans ton cœur, les paroles que tu ne lui as jamais dites. Alors aujourd'hui, dis-lui cela parce que l'occasion t'est donnée à dire à ton mari tout. Tout. Il n'y a pas de jardin secret ici. Dis-lui tout ce qu'il faut afin qu'il croie et qu'il sache que j'ai une femme devant moi qui m'aime étant, parce que Dieu a créé le monde par la parole. Alors n'hésite pas, ma sœur. Je te remets cette alliance. Ainsi de mon amour envers toi, ma fidélité et mon respect pour toi. Tu as toujours été là pour moi. Toujours le père que je n'ai jamais eu dans ma vie. Tu m'as prise quand j'étais encore petite bébé. J'ai grandi avec toi. Je vais finir ma vie avec toi. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Elle veut finir sa vie avec elle. Amen. Oh, ça fait pleurer ce genre de paroles. Ça me rappelle encore quand je suis passé. Amen, amen. Bon, alléluia. Alléluia. Amen. Bon, tout bête à l'an, c'est ma bourra. Comment on peut pour le Seigneur? Bon. Amen, amen. Vous êtes en couple. Vous êtes déjà, vous connaissez déjà. Est-ce que vous permettez à faire un petit bisou? C'est normal? Oui. Alléluia. Amen, amen. Bisous, pas bisous. C'est vrai? Bisous.
Malobi ma rosango liboso batuté o. Bon, ok. Mon frère, c'est ta femme. Ma soeur, c'est ton mari. Vous pouvez vous embrasser quand même. Allez-y. Hosanna moyo wani, Hosanna moyo wani, Hosanna. L'Éternel notre Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui connaît vos cœurs, il connaît la pensée de l'homme, car il sonde le cœur et les reins. Que le même Dieu là que nous prions puisse se souvenir de vous. Vous aurez des turbulations, vous aurez des problèmes sérieux, mais notre Dieu qui a dit que si quelqu'un a la crainte de l'Éternel, lui, notre Dieu, il va envoyer son ange afin que cet ange puisse camper tout autour de lui afin de lui arracher du danger. Le même Dieu que nous prions, qui s'appelle Jésus-Christ, va prendre soin de vous. Je vous demanderai, peuple de Dieu, là où nous sommes, s'il vous plaît, nous nous tenons debout. Ok, merci. Là où vous êtes, dites un mot ou dites un mot pour ces couples. Ils ont su plaire à Dieu par rapport à cet acte. Ils ont su plaire le cœur de Dieu par rapport à cet acte. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne d'eux. Qu'ils soient leur forteresse. Que Jésus soit leur bouclier dans des problèmes, dans les manquements, dans la maladie, dans tout ce qui va leur arriver, que l'Éternel notre Dieu se souvienne d'eux. S'il te plaît, là où tu es, dis un mot pour ces couples. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Merci. Et Seigneur notre Dieu, notre Père, entre tes mains, je remets ces couples au Dieu. Le mariage ne vient pas d'un pasteur. Le mariage ne vient pas d'un évangéliste, Seigneur. Le mariage ne vient pas d'un homme, oh Dieu, mais le mariage vient de toi, Éternel. Tu as permis, c'est toi qui as permis cela, oh Dieu, malgré les moyens, Éternel. Tu as ouvert les écluses des cieux pour tes enfants, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, spirituellement parlant, soient ensemble, oh Dieu. Raison pour laquelle, Éternel, l'Église a pris part de pouvoir les bénir, de pouvoir appeler ta présence dans leur vie, oh Dieu. Quoi qu'il arrive, matin, midi et soir, toi qui es le maître des temps et de toutes circonstances, oh Dieu, que tu étends ta main, oh Dieu, dans ces couples, oh Jésus. Ouvre les églises des cieux. Ouvre les églises des cieux, oh notre Dieu, dans cette famille éternelle. Lève-toi comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur des cieux et de la terre, dans ces couples, dans les combats, Seigneur. Parce que le diable va s'élever afin de les combattre. Là, le combat a pris une autre dimension. Mais Seigneur, nous croyons que tu vas t'élever et tu vas combattre pour ces couples, oh Dieu. Là où il n'y aura pas de mère, là où il n'y aura pas de père, là où il n'y aura pas de frère, là où il n'y aura personne, toi qui es omnipotent, toi qui es omniprésent, sois au milieu de ce couple, ô Dieu Tout-Puissant. Nous plantons la croix de victoire dans leur famille, dans leur projet, pour leur santé, pour leurs enfants, ô Dieu. Nous plantons la croix de victoire dans tout ce qu'ils entreprendront, ô Dieu. Tout ce qu'ils vont faire ensemble, lorsqu'ils marchent ensemble,
Laisse qu'ils collaborent ensemble. Laisse au Dieu la voie qu'ils ont empruntée, qui est la bonne voie. Jésus, qui est la voie de la prière. Que leur vie au Dieu soit assise. Leur couple s'appuie sur le roc, s'appuie sur la pierre angulaire, qui est toi, Jésus-Christ et la croix. Qu'ils soient victorieux, ô Dieu. Qu'ils soient victorieux éternel. Alléluia. Que l'homme puisse supporter sa femme. Que ma soeur puisse supporter son mari. Que rien ne puisse les séparer, ô Dieu. Que personne ne puisse séparer ce couple. Par rapport à les rendis, j'ai entendu, j'ai vu, Seigneur. Laisse qu'ils soient assidus. Qu'ils soient forts, ô Dieu. Même si la tempête va souffler. Même si la tempête soufflera, ô Dieu, mais ce couple reste toujours ensemble. Parce que tu aimes tant que les hommes marchent et soient ensemble, ô Dieu Tout-Puissant. Nous les couvrons par ton sang, le sang qui a coulé sur la croix, le sang de Jésus puisse les couvrir. Qu'ils viennent le matin ou le soir, tu t'élèveras et tu combattras pour eux, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons un peu le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Merci, mes frères et sœurs. Maintenant que Dieu a pris cette affaire entre ses mains, restez unis. Que personne ne puisse vous diviser. Même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a rien, marchez dans la complicité totale. Tu dois t'appuyer sur ta femme. Ma soeur aussi, tu dois t'appuyer sur ton mari. Alors, nous avons prévu quelque chose pour vous. Dans un premier temps, ce que l'Église va vous remettre, qui a d'abord un lien avec votre âme et votre esprit. Dans un premier temps, l'Église va vous la remettre. Je demanderai que vous me ramenez ce que vous avez prévu pour eux. Dans un premier temps. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, ce qui est d'abord primordial, ce qui est d'abord important pour vous dans votre couple, c'est ce qui est dedans. Ne prenez pas ça, ne la mettez pas sous un lit ou dans un placard. Mais méditez-la nuit et jour, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous pouvez faire, afin que vous alliez de l'avant, afin que si le diable vous combat, vous vous référez à ce qui est écrit là, là-dedans. C'est ainsi que vous vaincrez. Dans un premier temps, parce que autre chose arrivera. Amen. Autre chose, même je dirais au pluriel, arriveront. Mais ce qui est d'abord important, c'est ce que l'Église vous remet. Si vous mettez ça au centre de votre couple, comme moi j'ai fait, vous réussirez et vous marcherez ensemble. Il n'y a pas autre chose. Amen. L'Église vous remet cela. Je vous remets cela. Acclamons le Seigneur. Maintenant que Dieu a pris cette affaire entre ses mains, restez unis. Que personne ne puisse vous diviser. Même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a rien, marchez dans la complicité totale. Tu dois t'appuyer sur ta femme. Ma soeur aussi, tu dois t'appuyer sur ton mari. Alors, nous avons prévu quelque chose pour vous. Dans un premier temps, ce que l'Église va vous remettre, qui a d'abord un lien avec votre âme et votre esprit. Dans un premier temps, l'Église va vous la remettre. Je demanderai que vous me ramenez ce que vous avez prévu pour eux. Dans un premier temps. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, ce qui est d'abord primordial, ce qui est d'abord important pour vous dans votre couple,
c'est ce qui est dedans. Ne prenez pas ça, ne la mettez pas sous un lit ou dans un placard. Mais méditez-la nuit et jour, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous pouvez faire, afin que vous alliez de l'avant, afin que si le diable vous combat, vous vous référez à ce qui est écrit là, là-dedans. C'est ainsi que vous vaincrez. Dans un premier temps, parce que autre chose arrivera. Amen. Autre chose, même, je dirais au pluriel, arriveront. Mais ce qui est d'abord important, c'est ce que l'Église vous remet. Si vous mettez ça au centre de votre couple, comme moi j'ai fait, vous réussirez et vous marcherez ensemble. Il n'y a pas autre chose. Amen. L'Église vous remet cela. Je vous remets cela. Acclamons le Seigneur. Comme nous courons derrière le temps, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Mais ils nous ont prévu quelques boissons derrière là-bas. Si quelqu'un a soif, il pourra aller chercher à boire là-bas derrière. Et le rendez-vous nous est fixé ce soir. Vous connaissez l'adresse. Si éventuellement vous avez une question à poser, nous sommes là pour vous expliquer où aura lieu notre soirée de ce soir. Amen. Amen. Et aussi, si vous voulez passer devant pour les féliciter, vous êtes libre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Amen. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. I never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. Can this be true? This is reality.